tout le monde, aujourd'hui donc nous sommes le lundi 17, nous sommes enfin en vacances et nous procédons à l'ouverture des calendriers. Donc vu qu'hier je n'ai pas ouvert le numéro 7, on va faire le 16 et le 17 aujourd'hui. Et du coup j'ai pu emmener celui-ci en fait, parce que j'allais pas emmener tous les calendriers. Voilà, donc on va déjà commencer par le 16, je pense que c'est un C vu la forme. Oui. Ouais. C'est un thé. C'est donc un thé, un rooibos honey bush épice poire. Bon, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal avec la poire et le miel. Et donc le numéro 17, qui est que je trouve pas. Voilà. C'est pas un thé. Non, c'est pas un thé ça. Ouh, trop bien. J'adore cette. J'adore cette huile. C'est la typique huile prodigieuse. Huile sèche, multifonction, visage, corps et cheveux. Nickel. Je suis trop contente de l'avoir en miniature comme ça. Trop cool. Alors du coup là il est déjà 11h30. Du coup ce matin en fait on n'a pas fait grand chose. Puisque la Vinette était complètement HS. Déjà elle nous a laissé dormir. Enfin tout le monde nous a laissé dormir jusqu'à 8h30. Oui on s'est levé, on a traîné au lit jusqu'à 9h. On a mangé le petit déj, la Ninette est retournée se coucher à 10h. Du coup, là on a attendu qu'elle se réveille. Après on va chez la grand-mère à Evan, donc la grand-mère paternelle d'Evan. On va aller manger là-bas, lui tenir un petit peu compagnie. Et après on ira chez ma grand-mère à moi. Et après on ira peut-être faire un tour au marché de Noël. Donc évidemment on vous vlog tout ça. Là les gars ils sont en train de regarder pour faire une partie de Millbourne. Vous y arrivez les gars? Sans plateau. Je suis en train de chercher à comprendre, de me rappeler les règles surtout, je sais plus. Ouais. C'est vrai que, enfin, étant jeune, enfin, moi je l'ai eu, toi aussi tu l'as eu? Ouais, j'adore ce jeu, mais je m'en rappelle. Ouais, c'est vrai qu'il est très bien ce jeu, il est bien fin. Mais on s'en rappelle plus. On se rappelle plus des règles. Mais c'est pas grave ça. Et donc là, j'étais en train de me faire chauffer de l'eau. Il est où? Dans le micro-ondes. Je l'ai laissé dans le micro-ondes? Ah. Et donc là, j'étais en train de me faire chauffer de l'eau. Pour me faire infuser le thé que j'ai reçu ce matin, donc dans le calendrier NYX. Je vais laisser en attendant. Et ensuite, ouais, comme je vous ai dit, on partira. Là, je suis en train aussi d'importer mon vlog sur YouTube. Et en fait, le vlog d'hier, vous l'aurez vu, de toute façon, il est pas intéressant pour vous puisque on a fait que de la voiture. Donc, mais bon, vu que je vous ai promis des vlogs tous les jours, des vlogmas tous les jours, je vous le fais. Et puis voilà, donc on retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, il est midi et demi et on débarque enfin. Ça c'est la neige d'hier, je crois. C'est la neige d'hier, donc il a un petit peu neigé. Bon, bah ça a pas tenu puisqu'il fait 5 degrés. Heureusement, puisque comme je vous avais déjà dit, on n'a pas les pneus de neige. Donc moi ça m'arrange que ça tienne pas. Et voilà. Là c'est joli ça. On a pas bien vu. Bref, donc oui, là on se dirige donc chez la grand-mère à Ivan pour aller manger. Voilà. C'est trop joli, les petites maisonnettes, elles sont décorées. C'est pas comme chez nous là dans le sud. C'est pas décoré du tout. Et ici tout est décoré, c'est trop mignon. Et donc là je voulais juste vous filmer, ici à Munster c'est typique, les pavés au sol. Et en fait du coup ça surprend pas mal de monde quand on connaît pas. Mais nous on est habitués et j'adore, je sais pas, je trouve ça trop mignon. Et du coup on se rend compte vraiment par après, quand on vit autre part, que c'est qu'on est bien parce que c'est très joli en fait Munster. La vallée quoi, c'est très joli. Et en fait c'est vrai que quand on y habite pendant toutes ces années et tout, on se rend pas compte de la chance qu'on avait. Il y a un gilet jaune là aussi. On se rend pas compte de la chance qu'on avait d'avoir une si belle région. Et moi avec les années du coup je m'en rends compte. Et regardez, je vais vous montrer la place principale de Munster. C'est la place avec le petit marché de Noël. Et c'est la place de l'église. Regardez comme c'est joli. Là c'est par là. À gauche là? Ouais. Tu fais le tour comme ça. Regardez-moi comme c'est joli. C'est trop beau. Brida la Marie, vas-y. Le gros camion. C'est pas vrai ça? C'est pas des camions fermés?
Non, il transporte pas du bois, lui. Si. Pas du bois. Ah si, ah, ouais. C'est un genre de petite forêt. Et ça, c'est les images que je vous ai montrées hier de nuit. C'est la petite rue principale, ça, on appelle ça, enfin c'est la grande rue, ça s'appelle la grande rue. Et voilà, la grande rue. Ouais. Ah, c'est joli, la pâtisserie, elle est classe. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Et c'est vrai que, ben, c'est vrai que quand on est, ouais, quand, comme je vous disais, hein, quand on est dans un village, quand on est dans une ville pendant des années et des années, ben, on est tellement habitué. On est tellement habitué qu'on ben, on trouve ça banal et en fait c'est très joli, c'est super bien décoré. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ah ouais? Après la tablette? Bon, alors du coup là il est 16h15, on est donc allé manger chez la grand-mère à Evan. Je suis tout droit là. Chez la grand-mère à Evan et on est allé passer voir ma mémé à moi. Ouais, elle était toute contente, toute émue d'avoir vu les garçons, etc. J'ai d'ailleurs failli pleurer aussi moi du coup. Voilà, donc elle était toute contente et nous aussi, hein, ça nous a fait trop plaisir de la revoir. Ça fait 4 ans du coup que moi je l'avais pas vue. Non, non, tout droit encore. Tout droit. Là, on va faire quelques courses parce que du coup, il faut quand même qu'on ait bah, par exemple du lait, des trucs comme ça quoi. Donc, on va faire quelques courses et donc, comme je vous ai dit, ce soir on va aller au marché de Noël de Colmar. On a trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Et voilà, autrement, bah, tout va bien, hein, Ninette, sage. Bon, elle a pas fait la sieste du coup, vu qu'on était en vadrouille. Donc, c'est là, je sais pas voir où on rentre. Et voilà, donc ben on vous retrouve. Ah, regarde, il y a déjà Snège. Qui dit ça, Snège, dit merde. Ouais, mais je pense qu'ils sont allés là-haut. Et voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, on est rentré. Comme je vous ai dit, on est vite fait allé à Lidl. On n'a pas pris grand-chose. On a déjà rangé la moitié d'ailleurs, enfin, on a tout rangé. Mais je voulais vous montrer ben, ça que j'ai trouvé, donc à 4,99€, les deux verres double paroi. Et en fait, je les voulais parce qu'il y a une anse et du coup j'en avais pas en fait avec des anses, donc je me suis dit bah, que c'était l'occasion. Et ils sont comme ça, ils sont vraiment très beaux, trop jolis. Donc j'ai pris ça, voilà. Donc du coup on a pris les fameuses bretzels. Ça c'est le truc que j'avais trop envie depuis qu'on est arrivé, c'est les bretzels quoi. Là on va s'empresser d'en manger, j'ai trop faim, c'est le truc typique d'ici. Là j'ai trouvé également des petits paquets de noix, de mélange d'arachide, de raisins secs, de fruits à coque et de cornflakes enrobés de chocolat. Ça a l'air trop bon et c'est des petits paquets individuels comme ça. Donc je me suis dit que c'est pratique à emporter. Et les fameuses pâtes d'Alsace, les fameuses pâtes grand-mère. Petite coquette, voilà, au cas où on n'a rien à manger, on se croit ça vite fait. Avec du gruyère qu'on a aussi pris, etc. Bref. Mais là, on va s'empresser de manger ça, j'ai trop hâte. Allez, salut. On a pas pu goûter le coca. Bon, et bien du coup, je vous ai pas encore montré où on est logé. Donc, on est logé chez ma tante et mon oncle. Et donc, je vais vous montrer ça. Donc, en fait, là, il y a une première chambre où nous, on dort ici. La Nini, elle dort ici. Donc, il y avait déjà le lit et tout. Et donc, là, il y a une petite télé. Là, il y a un canapé. Un petit canapé. Et là, il y a une armoire. La Nini, elle est en train de jouer. Ensuite, donc là, quand vous sortez, vous avez donc la pièce avec la cuisine, la table. Donc là, c'est un petit peu... on vient de tout sortir, c'est pour ça que c'est un peu le bordel. T'as oublié Mimi. Ouais, Mimi, je l'ai montré, ouais. Mimi qui fait sa petite vie, quand même, faut l'oublier. Ouais, donc là, on a un gros frigo congélo, une gazinière avec les plaques. Ensuite, ici, vous avez une autre chambre. C'est la chambre des garçons. Bon, c'est pareil, ne faites pas gaffe, on n'a pas... on n'a pas rangé, donc eux ils dorment ensemble, comme je vous ai dit. Et regardez, mon magnifique maison. Voilà, donc ils ont des petits jouets là, bon c'est pareil, hein. Franchement là c'est le bordel, j'ai honte de vous montrer ça comme ça. Ils n'ont pas rangé, mais c'est pas grave. Ensuite il y a la salle de bain, je vais vous montrer ça vite fait. Donc voilà, là, donc il y a la salle de bain avec la douche et les toilettes, voilà. Voilà, donc c'est très cosy en fait, ici tout, ça fait un petit peu penser au petit chalet, ouais. Donc c'est tout en bois et tout, donc on est trop bien, on a trop bien dormi en plus, hein. On a bien dormi. Ouais, quand tu tapes 10 heures de route que tu es HS, tu dors même sur du béton, hein. Ouais, c'est clair. C'est sûr, c'est sûr. Donc là il est 17h45 et bah, on est en train de terminer, là, comme je vous ai montré, on est en train de terminer les bretzels. Et après on va voir pour aller justement au marché de Noël ou je sais pas ce qu'on va faire.
On verra si on est motivé. Bon, alors il est 19h et en fait on n'ira pas au marché de Noël parce que ça ferme à 19h. Hashtag vlog raté. Hashtag VDM. Hashtag VDM, hashtag c'est pour nous, hashtag on est déboulé. Voilà, voilà. Hashtag fuck attentat. Oh, pareil aussi, non, je pense que je sais pas si c'est vraiment à cause de ça ou si c'est vraiment les horaires. C'est une semaine, hein, et c'est pour pas déranger la mise en place sur le tour. Donc en fait, les marchés de Noël ouvrent de 10h à 19h. Donc ben, on ira en fin d'après-midi, je pense, demain. Ben, on fera ça. Hein. Ouais. Et je serai là. On ira en fin d'après-midi demain, je pense vers 16h, comme ça on est en fait à la limite de il fait nuit et il y a les éclairs. C'est jour nuit. Ouais, enfin voilà, on aura quand même les petits éclairages jolis jolis. Tiens, voilà, petite crèche quand même jolie. Et là, ouais, il y a une petite crèche, elle est trop mignonne. Regardez. Attends, je zoome. Regardez. Trop mignonne. Enfin bref. Donc bah, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même partir parce que comment vous dire qu'à chaque fois qu'on va quelque part on met environ 30 minutes à préparer tout le monde et que tout le monde soit prêt. Parce que c'est vraiment. Surtout qu'il y avait un peu de flemme aujourd'hui. Ouais, il y avait de la flemme. Grosse flemme générale. Il y a Ninette qui partait par là, l'autre qui partait de l'autre sens, Ninette qui enlevait sa chaussure, l'autre qui enlevait son bonnet, lui qui se trouvait pas ses gants. Moi qui avais envie. Voilà. La joie. Mais voilà, donc du coup, vu qu'on a fait la demi-heure de préparation, on va quand même sortir, on va aller manger quelque part. On ne sait pas encore où, non. Mais on va manger quelque part et on vloguera ça comme d'habitude. Ouais. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h-20. Et donc comme on vous a dit, on n'est pas allé au marché de Noël, on ira plutôt demain en après-midi. Mais c'est pas grave, on s'est quand même régalé ce soir. On est allé à une pizzeria où j'ai mangé une. Moi j'ai pris une pizza au Munster. Comment vous dire que c'était délicieux. Les garçons ont pris une chèvrette, donc c'est une pizza chèvre-miel. Chèvre-miel. Et c'est pareil, elle était bonne. Hein ? Et donc on a pris un doggy bag, ils nous ont enfilé le reste de pizza. Dans un. Non, c'est pas un doggy bag, j'ai dit un doggy bag. Comment ça s'appelle? Doggy bag, t'as dit. C'est ça, non? Bah, je sais pas. Attends, un doggy bag. Il me semble que ça s'appelle un doggy bag. Donc, bref, et voilà. Autrement, bah, demain, on va aller amener Evan chez sa grand-mère paternelle. Du coup, il va passer la nuit, donc de mardi à mercredi là-bas. On le recherchera mercredi. Ah oui. Et on ira donc du coup, comme je vous ai dit, au marché. Non, parce qu'il y a David qui vient de passer à poil, c'est pour ça qu'on rigole. On peut voir. Bon, voilà, tu veux venir ou pas? Ouais, allez, attends, habille-toi s'il te plaît. Oui, d'accord, bien sûr. Allez, merci. Sinon, il y a des gens qui vont venir dans la maison. Nana, on l'a mise au lit, elle est en train de s'endormir doucement. Voilà, il est là, papa, ça y est, il est habillé, c'est pour ça. Il est en pyjama. Et bah, autrement, on espère que le vlog quand même vous aura plu. Demain sera beaucoup plus intéressant, puisque du coup, on va vous filmer le marché de Noël. Donc, ce sera plus joli pour vous, plus sympathique. Il y aura des lumières. Et bah, sinon, j'espère que le vlog quand même vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bye.